Quand j'en ai marre, je dis qu'on vient de me chercher. Bien qu'il y en ait un qui se fasse remarquer. Allez, choupette! C'est plus de compète depuis 20 ans. J'ai toujours autant de plaisir. Alors Anna, tu te laisses aller ? Thank you.
On les écoute. C'est qui ton deuxième journal? C'est le messager. Donc si vous ne savez pas quoi faire ce soir, les Verdonnais, pour 5 euros, il y a 2 saucisses, une ventrèche, du pain, du fromage, des chips avant le fromage, des fruits, et il y a même des gentilles personnes qui ont fait des gâteaux, je les en remercie. Quand vous partirez, monsieur Debatty, le président de l'association, on voudrait vous remettre cette banderole symbolique qui représente le plaisir qu'on a eu à vous recevoir, et encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup la mairie du Verdon-sur-Mer de nous avoir accueillis, de cet accueil qui est très chaleureux et qui correspond exactement à ce que nous souhaitions quand nous avons, enfin à notre rêve quand nous avons imaginé ce projet, donc dont c'est la deuxième édition. L'idée en gros c'était de faire une manifestation, bien sûr, pour la recherche médicale concernant le syndrome de Rett. Donc le but c'est de trouver un parrainage à moyen terme ou à long terme pour la recherche. Recevoir des dons et aussi faire connaître la maladie, donc le syndrome de Rett, une maladie rare, génétique rare. Mais c'est aussi de le faire à travers une manifestation conviviale, c'est-à-dire que nous souhaitons faire une manifestation qui soit ouverte à tous, au handicap comme à la vie quotidienne, enfin, personne sans souci à ce niveau-là, et qui mêle toute génération. Et à travers quelque chose de convivial, de sortir un peu le handicap de son isolement. Donc, en le faisant aussi à travers différentes villes-étapes, à travers ce périple, l'idée, c'est vraiment d'aller dans les villages, là où il y a effectivement du bénévolat, une vie sociale importante, une vie associative, qui fait que l'accueil, il est chaleureux, il est spontané, il est naturel, et qu'en plus, l'information, elle diffuse dans le village, c'est-à-dire qu'on arrive beaucoup plus à s'intégrer dans un village comme s'intégrer dans une grande ville, parce que justement, il y a cette proximité, il y a cette convivialité et cette chaleur. Donc nous, l'objectif, évidemment, c'est l'argent, la recherche, mais c'est aussi, à travers une manifestation comme celle-ci, à travers tout le parcours, de multiplier les occasions de faire une fête chaleureuse et où tout le monde soit présent. Et ce, en plus, grâce aux Joëlettes qui, sur les dernières étapes, permettent aux personnes handicapées de nous suivre, faire vraiment une arrivée d'étape alliant tout le monde, ouverte à tous et à toutes et à tous. Personnes valides, non valides, enfants, personnes plus âgées, et ainsi de suite. Et donc, l'arrivée qu'on a eue ici, c'est exactement ce dont on rêvait. Donc, un grand merci à toutes et à tous de l'avoir rendu possible. Un très grand merci à tous. Vous la connaissez déjà. Thank you.